Sur le livre de Néhémie, nous sommes au chapitre 6. Bienvenue à tous et nous sommes contents de poursuivre ensemble l'enseignement sur le livre de Néhémie. Nous avons tant de richesses à prendre de ce livre. Et dans les semaines passées, nous avons vu les diverses étapes, les diverses difficultés que Néhémie a rencontrées dans sa mission de rebâtir le temple. Nous avons vu les chapitres 4 et 5 où le peuple était sous pression, était attaqué pour qu'il puisse cesser les travaux. Et ce soir, avec l'aide du Seigneur, nous allons regarder sur le chapitre 6 qui nous parle des attaques maintenant personnelles sur Néhémie. Maintenant, les attaques ne concernent plus le groupe, le peuple, mais les attaques visent uniquement la tête. Le responsable des travaux, le responsable Néhémie. Dans les ennemis vont venir attaquer Néhémie de trois façons différentes. Alors Sambala et Tobija étaient abattus malgré tous leurs efforts pour empêcher la reconstruction des murs, malgré toute la pression qu'ils ont pu faire. Malgré les menaces, malgré les moqueries, malgré le ridicule qu'ils ont essayé de jeter sur le peuple de Dieu, malgré tous les efforts qu'ils ont faits pour ralentir les travaux, pour arrêter l'œuvre de Dieu, pour arrêter la construction, rien n'a abouti. Malgré leur oppression, malgré leurs attaques, l'œuvre continue. L'œuvre est même sur le point maintenant d'être achevée. Les murailles, les portes, toute la construction arrive maintenant à la fin et sur le point d'être accomplie. Et maintenant, les choses vont tellement bien. On peut dire que tout allait si bien. Le travail roulait comme sur des roulettes. Les ouvriers, leur état d'esprit, leur travail avait atteint leur maximum. Ils étaient tous engagés à finir la construction des murailles. Et c'est à ce moment-là que l'attaque vient maintenant sur Néhémie. Vous devez savoir que les attaques, l'opposition, la pression, les combats qui sont dans nos vies, dans la vie des enfants de Dieu, arrivent bien souvent quand tout va bien. Quand tout semble être parfait, quand tout semble avancer, quand tout semble progresser, c'est là que nous sommes surpris ou préparés à nous attendre à des attaques. C'est juste à ce moment-là, quand on dit bah, tout va bien, on a presque fini, ou on a déjà fini, qu'il y a des attaques qui arrivent. Donc la muraille était rebâtie, les battants des portes n'étaient pas encore posés, mais il restait que quelques jours, dans peu de jours, le travail allait être fini. Et regardez maintenant qu'est-ce qui se passe. Nous lisons Néhémie 6, du verset 1 à 4. « Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il y restait plus de brèche. » Au verset 2, « Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, « Viens !» et ayant ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Onon, ils avaient médité de me faire du mal. » Tout de suite, Néhémie discerne que cette invitation-là a un but, lui faire du mal. « Je leur envoyais des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre, le travail sera interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. » Ils m'adressèrent quatre fois
la même demande. Ils insistent. Et je leur fis la même réponse. Donc là, la première attaque vise à distraire, en fait, Néhémie de son travail, vise à le sortir de son poste de travail pour négliger, le pousser à négliger le travail que Dieu l'a appelé à faire. Donc Néhémie et ses collaborateurs étaient sur le point de mettre les dernières touches à leur travail. Puis les opposants vont envoyer maintenant un messager pour l'inviter à venir pour avoir un entretien, une entrevue, pour discuter dans la vallée d'Onon. Ils essayent maintenant une nouvelle arme, la diplomatie. Ils essayent de négocier avec lui, mais dans le but de le faire sortir de son poste de travail, dans le but de le distraire de sa mission. Donc, Sambalet et Tobija voulaient, soi-disant, négocier un traité de paix avec Néhémie. Mais Néhémie connaissait leurs intentions et il savait que c'était dans un but de lui faire du mal. Il leur répondra, « J'ai encore beaucoup de travail à accomplir. Il m'est impossible de me rendre vers vous. Si je partais d'ici pour vous rencontrer, le travail cesserait. » Néhémie reçoit une invitation qui paraît attrayante de la part de ses ennemis. « Viens, on va entamer les discussions. Viens, on va avoir une entrevue ensemble. » Donc, ils essaient la diplomatie. Ça paraît attrayant en apparence de l'extérieur. Ils veulent faire une trêve et de plus, les Juifs manquaient d'argent, ils étaient fatigués, ils avaient aussi besoin de repos et de nourriture. Viens, viens nous rencontrer, on va avoir des réunions, on va avoir des conférences pour discuter comment on va s'arranger. Mais Néhémie reconnaît que cette invitation répétée plusieurs fois par Sambala et Geshem était un piège et il l'a évité pour trois raisons. La première raison, c'est que Néhémie comptait sur l'aide de Dieu pour sa sécurité personnelle et pour la sécurité du peuple de Dieu. Il ne voyait donc pas le besoin de faire alliance avec ses ennemis pour être en sécurité, pour avoir la paix. Il comptait réellement et profondément sur Dieu pour sa sécurité et celle du peuple. Deuxièmement, Néhémie connaissait les Écritures. Et il savait que les non-juifs n'avaient aucune part dans les affaires de Jérusalem. Il a dit dans Néhémie 2:20, « Vous n'avez aucune part, aucun droit dans cette affaire. » Troisièmement, Néhémie savait, il savait que son absence allait retarder l'achèvement des travaux. Une fois la muraille rebâtie, il y aurait eu un travail de consolidation à accomplir auquel Sambalet et Tobija ne pouvaient pas prendre part. Donc les rencontres avec Sambala et Tobija qui lui sont proposées allaient durer peut-être plusieurs jours, peut-être quelques semaines, allaient durer des heures et cela allait retarder l'avancement des travaux, retarder la construction qui était presque finie, qui arrivait vraiment à la fin. C'est une arme de distraction pour le détourner de son objectif. Et il faut à tout prix éviter ce genre de piège, de se laisser distraire afin de négliger l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés, afin de nous détourner de notre appel, de la mission que Dieu nous a confiée. L'ordre de mission était divine, elle était claire, rebâtir les murailles. À quatre reprises, l'ennemi va persister, mais Néhémie ne va pas céder. Et à chaque fois, il leur fait la même réponse, « J'ai du travail, je ne peux pas partir et laisser le travail que j'ai à faire. » Donc, cette tentative, ce piège ayant échoué, ses ennemis, Sambala, Tobija, reviennent maintenant avec une arme un peu plus dangereuse, un peu plus lourde, un peu plus costaud. Ils viennent maintenant l'attaquer avec des rumeurs, avec des mensonges, pour essayer de mettre la peur sur lui, pour essayer de l'intimider. Nous lisons Néhémie 6, du verset 5 à 9. Sambala m'envoya ce message une cinquième fois par son serviteur, qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit, « Le bruit se répand parmi les nations, et Gashmu affirme que toi et les Juifs vous pensez à vous révolter, et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. » Donc des rumeurs, des bruits. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda
Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Donc, ils sont en train de lui faire peur, de l'intimider avec des mensonges, avec des accusations qui sont fausses sur sa personne, son caractère, en lui faisant croire qu'ils vont essayer de l'accuser auprès du roi qui lui a fait confiance, qui lui a laissé repartir à Jérusalem. Et ils lui disent, viens donc, finalement, viens donc et consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sambala, ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Voilà la réponse de Néhémie à ses accusations, à ses on-dit. Il paraît que tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Après 4 essais infructueux, Sambala revient une 5e fois à la charge avec une ruse plus dangereuse. Donc il envoie son serviteur avec une lettre qui est ouverte, qui n'est pas cachetée, volontairement. Pourquoi? Dans le seul but que tout le monde puisse avoir accès au contenu de cette lettre, pour que tout le monde puisse lire cette lettre, dans le but de diviser le peuple, dans le but de les diviser avec ses accusations mensongères, avec ses rumeurs, avec ce commérage. Ces accusations et ces menaces portées sur 5 chefs d'accusation. Premièrement, on entend dire parmi les nations que toi et les juifs, vous pensez à vous révolter. Première accusation, on entend dire. Deuxième accusation, la construction de la muraille n'a pas un bon but. Donc, c'est-à-dire que Néhémie construit, mais dans le but de trahir la confiance que le roi lui a faite. Troisièmement, le bruit court. Aussi que tu as des vues ambitieuses, tu penses devenir leur roi et tu vas être accusé de vouloir te substituer à l'autorité souveraine. Et quatrièmement, ce dessein toujours d'après les bruits qui courent, tu cherches à l'accomplir par des prophètes établis par toi pour dire « il y a un roi en Juda ». Maintenant, le rapportera ces choses au roi. Il y avait là de quoi faire fléchir même l'homme le plus courageux. Le plus grand courage pouvait baisser à cet instant-là. La suspicion a été jetée sur le caractère de Néhémie, qui est l'autorité, qui est le responsable des travaux, qui est à la tête du peuple. On remet en question son caractère, on remet en question sa vision, on remet en question le but de son travail et de son appel. On remet en question sa vision. Donc, c'est pour le pousser finalement à avoir la crainte de voir sa réputation salie, détruite par toutes ces rumeurs, calomniée auprès du roi qui avait mis sa confiance en lui. Et la conclusion de la lettre était une invitation encore répétée, encore une fois, viens donc et tenons conseil ensemble. Donc ils insistent, ils veulent que Néhémie vienne et donc... Il l'intimide avec cette lettre, ses menaces, ses accusations, ses mensonges. Une lettre ouverte qui disait le bruit court parmi les non-juifs. Le mensonge, la calomnie, le commérage, la médisance font partie des armes favorites de l'ennemi. Il sait qu'il y aura toujours quelqu'un qui va tendre l'oreille pour écouter les ordures qui sont déversées par la médisance, par la calomnie. Sambala vient avec des rumeurs, donc un seul but, amener la division parmi ceux qui travaillent, avec Néhémie. Le fait que Sambala avait envoyé quelqu'un trouver Néhémie avec une lettre ouverte, il voulait absolument essayer de gagner le cœur de ceux qui travaillaient avec Néhémie pour qu'ils puissent le rejoindre. Il voulait salir sa réputation. Il voulait le détruire par la langue, par les bruits qui courent, par les « on dit que », il paraît que. Les motifs de la reconstruction de la muraille de Néhémie et sa loyauté envers le roi perse étaient remis en question publiquement dans une lettre avec des accusations qui étaient fausses. Sambala avait un seul but, paralyser Néhémie par la peur et la crainte de représailles du roi, paralyser Néhémie par la crainte de voir sa réputation salie et démolie. Mais Néhémie demande à Dieu de le soutenir. Et il répond que ce n'est pas vrai, tout ce qui est écrit, c'est toi qui l'inventes. Il est ferme dans sa réponse. Il sait que s'il s'enfuit, cela signifierait qu'il n'a pas une bonne conscience.
Maintenant, nous savons que ce qui est mis là en opération, en œuvre, c'est l'esprit d'intimidation qui vient pour essayer de ralentir, de freiner Néhémie. Il y a une pression sur lui. Il y a une pression sur lui, sur sa mission, sur ses intentions. L'arme qui est utilisée, c'est vraiment l'intimidation pour le faire peur. Voilà, il paraît que, on dit que, le bruit court que, souvent, il arrive dans des situations dans la vie où on peut avoir des amis, des collègues qui peuvent nous menacer par des rumeurs, de nous salir, par des on dit que, il paraît que. Tout cela dans un seul but, propager du commérage, propager de la médisance, propager des critiques qui ne sont pas fondées. Il paraît que, il semble que, on dit que. Tout cela dans un seul but, enlever la paix, enlever l'harmonie. Mais ne pas demeurer dans la paix, c'est ne pas avoir confiance en Dieu. Si de telles situations arrivent, il faut remettre sa vie, sa réputation entre les mains du Seigneur. Parce que le Seigneur est fidèle, il faut avoir la paix et la confiance que Dieu est bon et Dieu nous donnera la victoire. Pas l'angoisse, ne pas se laisser submerger par l'angoisse. Pourquoi? Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Comment les gens vont me regarder? Comment est-ce que les gens vont parler de moi? Si nous savons que les accusations, les rumeurs qui courent ne sont pas fondées, elles ne sont pas vraies, faisons confiance à Dieu. Remettons notre réputation entre les mains du Seigneur. Amen. Troisième attaque maintenant qui vient sur Néhémie. Elle est très très subtile. Très subtile. Elle est déguisée. Elle a une autre forme, une autre apparence. Vous savez, l'ennemi vient toujours, mais avec des cheveux de couleurs différentes, avec des vêtements de couleurs différentes, avec des odeurs différentes, avec des formes différentes. Mais c'est toujours le même ennemi, toujours la même opération, toujours le même esprit qui vient, mais qui vient avec un visage différent, avec un regard différent, avec des cheveux différents, avec les couleurs de yeux parfois différentes, avec même une voix différente. Mais c'est toujours le même ennemi. Et cette fois-ci, la troisième attaque, elle est très subtile, elle est très, très subtile. Pour la déceler, pour la voir, il faut avoir le discernement spirituel. Alors, dans cette troisième attaque, les ennemis de Néhémie vont le pousser à agir contrairement à la loi et à la volonté de Dieu, d'une manière subtile. Nous lisons Néhémie 6, du verset 10 à 14. Je me rendis chez Shemaja, fils de Delaja, fils de Mehatabel. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Donc Shemaja qui est là est un sacrificateur, mais Néhémie n'est pas sacrificateur. Donc il est en train de l'inviter à venir fuir, à venir se réfugier, se cacher dans le temple, en lui donnant une information qu'on viendrait le tuer cette nuit. Au verset 11, je répondis, un homme comme moi prendre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Amen. Parce que Néhémie n'était pas sacrificateur, il n'avait pas l'autorisation d'entrer dans le temple. Il connaissait cette loi-là de Nombre 17-22. Au verset 12, et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Amen. Je reconnus le discernement spirituel. Je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. Alléluia. Comment l'as-tu su? Alléluia. Le Seigneur nous donne l'esprit de discernement, le discernement spirituel. Alléluia. Et Néhémie a eu ce discernement pour savoir que Shemaja, qui était un proche, qui était quelqu'un de confiance, avait été acheté avec de l'argent pour le trahir. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre.
c'est-à-dire de honte. Au verset 14, Néhémie s'adresse à Dieu. « Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchent à m'effrayer. » Donc, Shemaja, comme nous l'avons lu, était un proche de Néhémie. C'était un sacrificateur, un homme de confiance. Si on n'a pas le discernement, on peut se dire ben, il est en train de me donner un bon conseil, je vais suivre ce conseil, c'est un homme de Dieu. Mais il était payé par les ennemis de Néhémie pour lui tendre un piège. Donc Shemaya vient informer Néhémie que ses adversaires vont venir cette nuit pour le tuer. Shemaya lui demande de le rencontrer dans le temple de Dieu à l'intérieur du sanctuaire pour fuir ses ennemis en se cachant dans le temple. Et avec beaucoup de discernement, Néhémie va analyser cette information pour déceler une autre attaque de ses ennemis. Alléluia. Que le Seigneur nous donne l'esprit de discernement. Que le Seigneur nous donne la sagesse divine. Que le Seigneur nous donne le discernement spirituel. Que le Saint-Esprit de Dieu soit libéré sur nous afin que nous puissions déceler et éviter les pièges de l'ennemi. Quelquefois, les gens peuvent venir dire qu'ils parlent au nom de Dieu alors que leurs motifs peuvent être tout autre. Nous devons donc toujours examiner le message que nous entendons, pour voir s'il est fidèle à la parole de Dieu. Maintenant, le sanctuaire était le temple de Dieu, mais c'était un endroit qui, d'après la loi, seuls les sacrificateurs pouvaient y aller. Seul Shemaya pouvait y entrer, mais Néhémie n'avait pas droit d'accès parce qu'il n'était pas sacrificateur, ni les autres gens du peuple. Néhémie connaissait la loi. Voilà pourquoi il est important de connaître la loi, connaître la parole. Néhémie n'a pas voulu faire un compromis sur ses convictions en se réfugiant dans le sanctuaire. Parce que s'il avait suivi, il aurait perdu la faveur de Dieu et le soutien des Juifs pieux qui lui faisaient confiance. Et il allait saboter, il allait détruire tous les efforts qu'ils avaient faits. Nous lisons Nombre 18-22, nous dit que les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Donc, les ennemis de Néhémie voulaient le pousser à faire une faute, le pousser à pécher contre Dieu, avec beaucoup de ruses, en payant un proche, un sacrificateur pour lui donner des conseils, pour lui faire parler, soi-disant, de la part de Dieu. Néhémie refuse de s'engager dans cette voie de compromis en reconnaissant que cette invitation à faire quelque chose que Dieu condamne dans sa parole ne venait pas du tout de Dieu. Il y avait également des prophètes, des faux prophètes et des prophétesses qui tentaient aussi d'effrayer Néhémie par leurs oracles. Il y avait plusieurs notables également de Juda qui complotaient contre Néhémie, des personnes proches, des personnes de son camp qui complotaient contre lui. Et quel discernement nous voyons en Néhémie, quel discernement, le discernement de comprendre et d'analyser chaque piège qui lui était donné. Prions pour nos responsables, prions pour nos dirigeants, prions pour nos pasteurs, prions pour ceux qui ont une autorité, parce que souvent l'attaque vient sur eux pour ralentir, pour achever l'œuvre. 1 Timothée 2, de 1 à 2 nous dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la repentance. Amen. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Amen. Voilà ce que nous voulons faire. Prier pour tous les hommes. Prier pour ceux qui sont en autorité, les autorités, les rois. Prions pour eux. Prions pour eux parce qu'ils subissent quelquefois des pressions. Quelquefois, ils subissent beaucoup d'attaques, mais nous voulons les couvrir, amen, dans la prière. Nous avons vu Néhémie triompher à chaque attaque, il a eu la victoire. Alléluia. 1-0, 2-0, 3-0, Néhémie a gagné avec le Seigneur. Amen. Prions que Dieu leur donne la force de résister aux attaques de l'adversaire
Ils ont besoin que leur foi soit fortifiée pour vaincre la peur que l'ennemi veut à chaque fois susciter en eux. Amen. Et pour terminer, la muraille fut achevée. Amen. La mission a été accomplie. Néhémie 6, à partir du verset 15, la muraille fut achevée. Alléluia, la victoire est là. Finalement, la mission a été jusqu'au bout. Le travail a été jusqu'au bout. L'œuvre a été accomplie. Amen. La victoire a été donnée au peuple de Dieu. Le 25e jour du mois d'Elul en 52 jours. Amen. 52 jours, toute la muraille a été bâtie. Les portes ont été posées. Tout a été fini en 52 jours. Waouh, quelle mission, quel travail. Alléluia. Quelle victoire. Amen. Alléluia. Dieu est grand. Dieu a donné du succès à Néhémie. Néhémie avait dit au chapitre 2, le Dieu des cieux nous donnera du succès. Voilà, le succès est là. Le succès est accompli. Ils sont en train de contempler maintenant l'œuvre de Dieu matérialisée, accomplie. Lorsque tous nos ennemis la prirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Alléluia, Amen. Tous nos ennemis la prirent. Toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de Dieu. Amen. Alléluia, par la grâce de Dieu, par la volonté souveraine de Dieu. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Alléluia. Au verset 17, dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Juda qui adressèrent fréquemment de lettres à Tobija et qui en recevaient de lui, car plusieurs en Juda étaient liés à lui par serment parce qu'il était gendre de Shekania, fils d'Arak, et que son fils Jochanan avait pris la fille de Meshulam, fille de Berekia. Il disait même du bien de lui en ma présence et il lui rapportait mes paroles. Tobija envoyait des lettres pour m'effrayer, mais la victoire est là. L'œuvre est accomplie, la mission est accomplie, la mission s'est réalisée. Amen. Malgré toute l'opposition, malgré toutes les armes utilisées par les ennemis, malgré l'oppression, malgré l'intimidation, malgré les moqueries, la muraille fut achevée en 52 jours. Amen. La puissance de l'intervention divine s'est vue de tous dans cette mission-là. C'était une preuve aux yeux de toutes les nations environnantes que cette œuvre avait été faite par Dieu. Amen. Alléluia. Toute la gloire revient à l'Éternel. Néhémie a commencé avec rien, mais Dieu a pourvu, Dieu lui a donné des ouvriers et le capital nécessaire pour accomplir cette mission. Dieu était là et fortifiait les mains de son serviteur, comme il le dit dans Jérémie 15, versets 20 à 21, Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Je ferai de toi une forte muraille d'airain. Amen. Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Alléluia. Quelle promesse, quelle victoire nous assistons là par cet acharnement qui s'est manifesté maintenant contre l'identité personnelle de Néhémie. Mais Dieu lui a donné la victoire. Dieu lui a donné, le Dieu des cieux lui a donné la victoire, leur a donné la victoire. Amen. En conclusion, nous voulons résumer ceci, qu'en général, de manière habituelle, un responsable, une personne qui est un leader, qui a une responsabilité, qui a une position d'autorité, va être toujours soit aimé ou soit détesté. Lorsqu'un responsable est attaqué publiquement, c'est là qu'il peut afficher sa vraie identité. Un responsable, un leader, un pasteur est dans une position d'autorité où il lui faut avoir une vision, prendre des risques, des responsabilités, motiver, servir, améliorer, bâtir, tout en étant rempli de compassion. Et un leader, un responsable, une autorité, un pasteur sera quelquefois noté, quelquefois critiqué pour les choses qu'il n'a pas faites.
ou blâmé pour les choses qu'il fait, qu'il essaye de faire pour faire avancer les choses. Il sera mal compris. Ce sont les coups que reçoivent ceux qui sont en position d'autorité. Mais les attaques de l'ennemi, même les plus dangereux de tous, ne peuvent vaincre celui que Dieu a mandaté, celui à qui Dieu a confié une mission. Alléluia. Néhémie a montré des qualités spirituelles pour résister à chaque attaque de l'ennemi. Et il est important par-dessus tout de voir que Néhémie avait toute sa confiance entière en l'Éternel. Sa confiance se traduit par cette parole au verset 9. Maintenant donc, fortifie les mains de ton serviteur. Alléluia. L'expression fortifie les mains, c'est donne courage. Alléluia. Donc Néhémie puisait sa force en l'Éternel, se ressourçait en l'Éternel. Nous devons reconnaître, à identifier, à éviter les pièges. Le piège de se laisser distraire dans notre appel, dans notre mission, dans l'œuvre du Seigneur. Le piège de l'intimidation, de la peur, le piège du découragement. Nous devons prier que le Seigneur nous préserve, que le Seigneur nous donne le discernement, que le Seigneur nous donne l'esprit de connaissance, d'intelligence, que le don de l'esprit nous équipe et nous aide à avancer, amène avec efficacité dans le ministère, dans la mission que Dieu nous donne à accomplir. Amen. Prions ensemble et remercions le Seigneur pour la protection qu'il nous accorde. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons parce que tu es l'Éternel qui nous préserve. Tu es l'Éternel qui nous protège. Tu es l'Éternel qui veille sur nous, qui nous conduit, qui nous oriente, qui guide chacun de nos pas. Seigneur, nous te bénissons pour cela. Nous te rendons grâce pour ta fidélité. Nous te rendons grâce pour ta bonté et ta miséricorde, Seigneur. Merci Seigneur pour ta fidélité. Préserve-nous du mal. Délivre-nous de tout piège de l'ennemi, du filet de l'oiseleur. Amen. Délivre-nous. Garde nos pieds du filet de l'oiseleur. Garde nos pieds sur le chemin. Protège chacun d'entre nous. Nous voulons avancer. Nous voulons accomplir. Nous voulons terminer. Nous voulons achever l'œuvre que tu nous as confiée, la mission que tu nous as donnée. Seigneur, donne-nous d'avancer, donne-nous de progresser, donne-nous d'aller de l'avant, donne-nous, Seigneur, de vaincre la médiocrité, donne-nous de vaincre nos limites, étends nos limites, Seigneur, donne-nous la victoire comme tu l'as donnée à Néhémie. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons mardi prochain pour la suite de l'étude. Donc, les premiers chapitres, en fait, du verset 1 à 6 concernaient la construction des murailles avec tous les défis qui étaient là, avec les oppositions qui étaient là. Maintenant, nous allons aborder la deuxième partie du livre de Néhémie qui est différente, où on va parler maintenant de la restauration, du culte, de la loi, de beaucoup de choses. Donc, continuons. Merci d'avoir suivi cette étude biblique et nous nous retrouvons mardi prochain pour la suite. À très bientôt, que le Seigneur vous bénisse.